tu vois, il est resté plusieurs jours dans le help. Ouais. On n'arrivait pas à le joindre, je sais pas quoi, un truc. Ouais. Au début, oui, je souhaite utiliser l'ordinateur, le poste de monsieur. C'est ce qu'il voulait à la base? Non. Un deuxième écran. Ah, d'accord. Ah oui, non, là c'est clair, en gros, c'est comme si, regarde, c'est ouais. Comme si moi j'avais un écran, toi t'as deux écrans, ouais. Il voulait utiliser le deuxième écran de l'autre. Ah, de l'autre poste, d'accord. Et je dis, mais demander un deuxième écran à nous, ça sera plus simple. Bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça, et je dis, mais attendez, vous souhaitez avoir le poste de l'autre poste? Non, c'est pas ça, Mado. On regarde ton mail. Bah ouais, ouais, non, mais c'est. Je sais pas. C'est ça, hein. Ils sont un peu confus, les utilisateurs de l'Onera, hein, des fois. Un peu, là, putain. Des fois, ouais. Dans les profondeurs des abysses. Bah bravo. Bien. Bibi. Bah ouais, toujours. Non mais attends, le truc, Oh, tu peux juste arriver. Ouais, je viens juste de commencer la partie. Est-ce que c'était finalement, c'était juste pour avoir un deuxième écran. Et les deux écrans de l'ancien collègue. Non, non, c'était pas ça. Il voulait juste un deuxième écran. Et à vrai dire, le truc, c'est que. Et lui, il disait, oui, vu que mon collègue a deux écrans, est-ce que je pourrais utiliser le deuxième écran de mon collègue ouais. Pour moi. Sachant que moi, j'ai qu'un écran. Et moi, je l'ai appelé. C'est quoi exactement votre demande? Juste un deuxième écran. Demande simplement un deuxième écran. Demande un deuxième. Et tu sais pas, t'as pas vu le mail, et tu vois le. Enfin, si, je vous l'ai mis dans le truc, mais tu vois le mail à la base. Par contre, du coup, enfin après, je sais pas comment t'as vu, mais c'était juste de la gestion de parc en fait. Parce que du coup, il y a déjà le deuxième écran. Non, parce que. Alors, c'est pas. Il faut aller brancher quand même. Le poste n'est pas rattaché au fait. Je vous l'ai mis, mais le poste n'est pas rattaché dans. Vitas. Il a un poste, il a le truc WDCSD002H. Il n'y a rien dans Vitas. Ah, bah c'est Toulouse en même temps. Ils sont au bureau, les gars. Non, c'est pas. Justement, il m'a dit c'est pas dans le session park et là. Ouais, mais c'est Toulouse. C'est ouais, ouais, parce que si c'est le compte du collègue, il va le prendre, il va le connecter et en fait, côté proxy, il marque tel écran attaché à tel équipement et tel utilisateur. Puis fini. Et c'est fini. Enfin, moi, j'ai demandé le deuxième écran, etc. Voilà, de toute façon, je m'en fous, c'est Toulouse. Et puis Toulouse, c'est pourri. Voilà, moi je. Ok. Toulouse, je reparle pas d'abord. Les gens de Toulouse, je reparle pas. Non, c'est pas ça. C'est juste la gestion, elle est pourrie, quoi. Enfin, disons que. Ouais, on va dire qu'ils font partie d'un ancien monde. C'est ça. Enfin, ils ont pas mis à jour leur parc proprement dès le début et du coup, ils héritent de ça. C'est la merde. Voilà. Et le problème, c'est que je me demande si des fois ils sont pas un peu désespérés de maintenir leur parc. Du coup, bah, ils cherchent pas à faire l'effort de maintenir à jour en disant de toute façon. Ouais. Vu le délabrement que c'est actuellement, pourquoi faire mais... Putain, j'étais avec Kirby là. Oh. Mais bon. C'est moi qui vous l'ai envoyé, non? Ça dit quelque chose? Putain, mais c'est une vraie tête à claque ce mec. Pourquoi? Ouais. Ah, mais ce gars qui se la pète, toi, c'est. Qui pense savoir mieux que vous, c'est ça? Oui, voilà. Ah, si, je vous ai renvoyé, il y avait un truc. Oui, le ticket n'avait pas été fermé, je crois. Ou a mal été fermé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas sûr. D'accord, bon, bref. Mais le gars, par exemple, je suis en train de bosser, en train de mettre Access 2002, je fais des tests, je dis je fais des tests, machin. Je explique pour pas qu'il me pose des questions et que ça se passe bien. Le gars, il arrête pas. Alors, vous faites quoi là? C'est genre inspecteur de travail au final. Ouais, je supporte pas ça. Et après, il me dit ouais, mais je dois aller bouffer là. 11h.
11h40. Moi, je dois aller bouffer. Hein. Bah, j'ai dit, bon, bah, je vais finir avec ça. J'étais avec Patrice hein, au téléphone. J'ai dit, bon, bah, Patrice va manger. Monsieur Hervy veut aller manger. On va voir ça après la pause. Et je raccroche. Bon, bah, au revoir. Le gars qui me raconte toute sa vie pendant. Ah ouais, genre. Jusqu'à midi 20. Le gars m'a pressé pour qu'il aille manger. J'ai fait tout le nécessaire pour qu'il aille manger jusqu'à midi 20. Blablabla. En fait, vous donnez une mauvaise image. Il a dit ça ? Ouais. Il m'a dit. Ouais, il exagère quoi. Par exemple, moi, je suis chargé des travaux, je vais sur un service, on me dit, vas-y, on pose deux prises RJ45. Et lorsque l'on pose deux RJ45, je vais couper le courant, et je ne coupe pas le courant tout ça. Je me demande, est-ce que lorsque je coupe le courant, est-ce que ça va impacter telle ou telle personne? Genre, il t'apprend ton travail, quoi. Oui, voilà. Il dit, c'est non, ce que vous... Là, oui, il y a certaines interventions. En même temps, je comprends une parce que ça, c'est vraiment sérieux, parce que ça a été fait. Et bah, donc, Trazic ou lui? Les deux. C'est à Trazic, on envoie le truc sans savoir si le mail fonctionne sur Windows 7. On est aussi dans le sujet par rapport à ça, parce que c'est pas que les deux, mais c'est bien. Il y a un gros, c'est tous les Français. Il n'y a pas eu de com officiel. D'habitude. Ouais, non, mais du coup, j'ai dit, tiens, mais ça va être le bordel, mais bon, il n'y a pas de com. C'est le projet SKO. SKO, ils vont balancer le deal à ce jour-là. Aujourd'hui même, on vient de donner les accès aux deux responsables du projet SKO pour avoir un répertoire secret. C'est jeudi, ils n'ont toujours pas accès au répertoire. Validation sur le marché, on pourra prévenir tous les jours. Ah, au fait. Ouais, je valide parce que dans quelques jours, il faut le faire. Ça fait depuis la semaine dernière, hein, comme il s'est mis de la semaine dernière. Du coup, là, ils vont généraliser sur toute la partie Toulouse. Et en fait, le truc, c'est en gros, ça prend au-dessus du système. Au-delà de la page, d'après ce que j'ai compris, au-delà de la page de notification du mot de passe, ça se met au-dessus du poste, comme une surcouche. Et derrière, après, là, ça rentre le mot de passe à ta place, en fait, et tu vas après, il y a, je crois qu'il y a un truc comme ça, mais en gros, le gros risque, c'est que... Tu te retrouves devant la page et que ça fonctionne pas et que tu n'es pas accès à ton poste. Et donc, si c'est comme ça, d'ailleurs, je vais la rajouter dans les trucs des consignes, on ne vous pousse pas les tickets, on pousse tout directement. Bah oui, directement. Je dis juste ça parce que nous, on n'est pas vraiment dans le truc, on n'est pas vraiment au courant et on ne sait pas du tout comment ça va se comporter. C'est magnifique, la DSI. La DSI, ils ont pas de bras. Du coup, ils n'ont pas de bras pour faire un chantier énorme. Toi, ils ont un chantier énorme. Imagine que tu as un chantier de travaux. On va extrapoler ça au chantier de travaux. Tu as deux ouvriers pour construire un bâtiment. Un immeuble. Et trois stagiaires, deux ouvriers, trois stagiaires. Et après, le bâtiment, il est toujours, il n'y a pas de crépi, il n'y a rien du tout qui est fait. Et tu dis, tenez les clés, monsieur, vous pouvez utiliser votre appartement. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que dalle. Limite, c'est ça, toi, c'est. Ouais. C'est ça. Le seul truc que j'ai trouvé, c'était une note sur l'intranet du 19 mars qui disait, nous allons lancer ce chaos, machin, truc. Et tout. Maintenant vous êtes informés. Merci. Et c'est qui est le... Voilà, t'avais Joro Giro, là, les deux. Je sais pas qui c'est, ceux-là. Mais si, c'est ceux qui viennent de demander les droits d'accès. Oui, mais je sais pas qui c'est, physiquement, je ne sais pas qui c'est. Ah non, de toute façon, la plupart des gens, tu sais pas qui c'est. SKO, c'est un bureau indépendant de DSI. Ça a un lien avec DSI. Mais je croyais que SKO, c'était les badges. C'est quoi, alors, les badges? C'est les badges, en fait. Oui. C'est à la fois ton badge, à la fois ton authentification, à la fois les armes. Le but, c'est de sécuriser tout le site. Donc les badges, mais aussi au niveau des postes, voire au niveau des imprimantes. Mais ça fera pas trop, et ça va pas générer plus d'incidents? Si, ça va faire du bruit, si. Je sais pas, je m'y connais pas. Hein. Non, mais c'est juste le but, c'est de sécuriser. Normalement, le truc d'un projet, c'est que tu le fais dans un mode étude, tu fais des tests. Tu regardes si tout fonctionne bien avec un poste. Après, tu fais tout ce qui fonctionne bien avec
plusieurs postes. Et après, tu fais, tu simules un petit réseau et tu regardes si ça fonctionne. Et là, ils l'ont fait directement. Et après, tu le mets en mode production où là, tu prépares tout en arrière-plan et après, tu dis je passe en production à telle heure, telle date et tu avertis tout le monde. Ouais, et là, c'est ça, normalement, un projet. Quand tu fais un. Quand t'as mais un non, mais projet, je sais, c'est ça. Et là, c'est. Il n'y a pas eu d'échantillon, il n'y a rien du tout, aucune communication sur l'état d'avancement du SKO. Et à la fin, on te dit tiens, voilà SKO. Et encore, on te dit tiens, voilà SKO. Moi, je ne suis pas au courant. Okay. Alors, en même temps, petite parenthèse, quand il y a de la com, elle n'est pas toujours lue. Moi, je sais que pour le changement de groupe, l'ITAS. Ah, il est... Non, mais j'ai vu la com avec le nom avant. Le nom, il est venu voir plus loin. Mais c'est pas le seul. C'est juste qu'on n'arrive pas à faire le lien puisque c'est un changement. Oui, c'est un petit moment d'adaptation. Mais voilà, en plus je trouve ça hyper bourrin. C'est tout pas les os. C'est la même chose pour Sandoré 7.3. Ouais. Je suis intervenu sur un post. Et ils disent, ah oui, mais en fait je suis un test. C'est un post de test pour Sandoré 7.3. Ouais. Ah, il teste de quoi vous faites quoi? J'étais pas au courant. Ouais. Et du jour au lendemain, voilà, on a livré des tests sur 33. Le lendemain, paf, 6 interventions à faire sur cette fois. C'est en première ligne, vous voyez bien. Je vais te le dire, c'est plutôt 6 interventions. Alors que la même chose, tu dois faire un test, tu dois voir si tout fonctionne. C'est qui qui a généré ça? Le SI? Je dirais pas de nom. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'UX. Ça vient côté de SI, c'est des trucs, des interventions côté de SI. Je ne sais pas qui. SKO, après, c'est. Je sais même pas. Quand tu dis que je dirais pas de nom, je ne sais même pas de qui tu veux voir. SKO, c'est plus transverse. SKO. C'est plus. Oui, par contre, il y a plein de départements. Je dirais, ça va plus petit. Mais quand vous dites qu'il va y avoir SKO, il y a différentes phases de SKO, on est d'accord? Ça va être que pour les tests ou ça va même être les badges, ça va être tout? C'est tout, hein. Donc là, il va y avoir même les badges. Mais c'est sur un site, là, c'est sur Palaiso. Sur Palaiso, oui. D'accord. Oui. Et ça va venir quand sur Châtillon? Il va y avoir, sachant que le normal. Oui, mais c'est généralisé partout. Châtillon va devoir déménager. Ils ont prévu une date butoir, je ne sais plus, en 2018, mais ils ont prévu une date butoir pour que tout soit passé à SKO. Je crois que c'est pour l'année, je ne sais pas si. Mais bon, là, je revenais pour la vie, là, c'est la même chose. Nadir qui dit, bon, bah, je veux plus d'accès à l'unité sur le nouveau poste. D'accord. Mais, sauf que tu as des bases de données. S'il y a une personne qui est en 2010, elle fera la base de données pour ceux de 2002. Et juste un truc, lui, il ne veut plus parce que ça me fait penser. Je sais qu'il y a une personne qui ne jure que par accès 2002. Non, mais nous, on pousse les tickets comme des bêtises, on bloque pas. Je sais pas si tu sais de qui je veux parler. C'est cool. Berton, ouais, mais. Non. C'est cool. Ouais. Ah oui, bah oui, oui. Ah lui, il ne jure que par. Quand on installe un poste. Il y a bien Access 2002. Mais il y en a bien Access 2002. La dernière fois, ce que tu disais, la personne, elle voulait bien qu'on supprime la version 2002 et qu'on le remette à ce pas Access. Mais il y en a plein qui veulent que du 2002. Ouais, qui veulent. Oui, mais bon. Mais le problème. Mais t'en as, ouais, ils peuvent pas. C'est tu as une base de données. T'as des personnes, t'as environ une trentaine de personnes qui accèdent à cette même base de données en 2002, et puis t'as un gars en 2010. Le gars, il a rangé sur la base de données en 2010, il monte la base de données pour les personnes de 2002. Ouais. Donc du coup, tu fais une intervention, tu n'as que 30 postes derrière. Donc tu dois faire 30 une intervention. Donc, là, déjà, je suis sur un lit, je dis ça à Patrice. Ah mais attention. Et du coup, c'est suite à ça que Nadir disait on supprime 2002, comme ça, du coup, il n'y a plus de temps, on fait un level up sur 2010 pour tout le monde. C'est ça. Comme ça, du coup. Il faut faire du one shot sur tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est... Non, mais ça s'organise, c'est déjà identifié qui est ça fait ça. Il est revenu. J'ai décidé que 2002 c'est trop tiré, donc on passe en 2010. Ouais, mais c'est toi, tu l'aimes bien, toi, Nadir. C'est pas lui qui s'occupe des lignes. Oui, mais non, franchement. Ouais, il s'occupe de plein de trucs, Nadir. Nadir, il est vraiment sympa. Ouais. Mais en termes de
fois, il est beau. Hein. Ouais, je pense qu'il cherche aussi son organisation. Il y a des trucs que j'ai passé à. Bon, ok, ça change un petit peu des méthodes d'avant. Il s'investit, comme tout le monde dit, il s'investit en tant que. Dans son nouveau rôle. Ouais, ouais. À fond. Mais je pense vraiment, que depuis, il cherche aussi un petit peu son mode de fonctionnement. Là, il n'est pas encore sur. Il n'est pas encore en bien établi. À un moment, il envoyait plein, il voulait. C'était bien, il voulait changer plein la de. La semaine trucs, dernière, ou il y a deux semaines, je crois, et, c'est ça. Du coup, après qu'il s'est retrouvé à être convoqué, bah, à peine réunion. Il dit, mais je peux plus bosser, là, j'ai trop de réunions. Du coup, il a dit, bon, ok, je vais peut-être pas utiliser cette méthode-là, je vais plutôt noter, déclencher les trucs petit à petit. Et toi, il est encore dans une phase. C'est normal après aussi d'un côté. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Tu c'est ce qu'on dit, c'est que du coup, voilà, il y a un truc, il est un peu bourrin, mais c'est parce qu'il est encore en phase de comment il va. Sauf que quand il est bourrin, bah, il tape sur. C'est ça, c'est le problème, c'est que du coup, ça retombe sur les équipes derrière. Et j'ai eu le genre de discours d'Hervie pendant 40 minutes alors qu'il était pressé d'aller. Mais tu devrais lui dire, tu le pousses à. Il envoie sa remarque DSI là et. Ouais, ça je lui. Maintenant je vais utiliser souvent le remarque DSI, ouais. Parce que j'en ai marre d'être un petit peu bourré. Ah, mais il y en a beaucoup qui disent ça fonctionne pas. Non, ça par contre, on doit le prendre, mais c'est dingue, ça c'est un autre contexte, le truc. C'est en dehors du ticket, et justement, la gueule utilise les remarques DSI. C'est politique là, c'est ouais, voilà. Presque ouais. Politique, c'est du genre. Il y a tout le bâtiment BJ de Meudon qui est. Les trucs qui fonctionnent pas, nous on n'oriente pas vers remarque DSI, hein, pour les trucs comme ça, on prend, on met le ticket, mais là c'est des trucs où en fait. Je fais des reproches à la DSI dans l'ensemble. Donc, on ne peut pas faire de ticket en disant bah, écoutez, on va traiter votre demande. on va fouetter c'est l'opérateur plutôt, en question. Ouais, c'est plutôt bien. Et comme d'habitude, tu as monsieur Mouton. On a le requin. Dis pas ça trop fort. C'est ça qu'on parle de Palaiso. Hein, David, il l'a eu tout à l'heure. Ah ouais, ouais. C'est le directeur de Palaiso, c'est ça? Ouais. Meudon, pardon. Meudon, ouais. Ce qu'il te disait ce matin. Je sais. Il y a un mot de requin. Il y a du sang. Il y a du sang. Je l'ai eu en ligne. Je crois qu'il y a eu un poste avec du bout. Je sais pas quoi. Sa femme, c'est sa femme que t'as eu. Non, c'était même que du coup, elle posait des questions parce qu'en fait, elle vient de me livrer un poste. En fait c'était pour Mouton. Mais non, c'était pour elle, il y a eu le poste que vous aviez livré, j'étais là à ce moment-là, vous l'avez livré, et 6 mois après. Ah bah non, on récupère votre poste, on vous donne un nouveau poste. Non. En fait, tu t'es repos seulement. Vers 7, quand t'étais là. Ah oui, d'accord, ok. Et après, un nouveau poste. D'accord. Ah oui, je comprends mieux, parce que je me suis dit, putain, mais c'est plus de 20 quoi. Pour vous, comme pour elle. Non, là, c'est déjà ça, j'ai vraiment eu. Alors, peut-être pas pour une raison, mais pour un ticket, je sais pas quoi. Je suis le directeur de. Je suis le directeur de Meudon. Alors, parlez-moi avec un petit peu de respect, d'accord? On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ouais. Je sais pas si toi, quand tu l'as eu, c'était pareil. Qui ça? Mouton. Non. Dis-toi, t'es assez éduqué au téléphone, que c'est encore pire au. En vrai? Proxy. Pourquoi? Bah, parce que t'es devant lui et c'est pas du tout. Il est comme ça? Mais sauf avec limite des yeux. La gestuelle? J'imagine. Non, pas. Non, c'est juste. Ah ouais, ça fonctionne pas! D'ailleurs, il a fait un petit mail, mais c'était pas plus en cible BSI que cible nous. Ouais. Oui, voilà. C'est ça la part des choses. Ouais. Et franchement, c'est moi, bien. J'aurais été à la place d'Aphrasique, mais j'aurais été. Bah, mais j'aurais gueulé. Mais j'aurais gueulé sur tout chose. Le monde. Hmm, c'est bien qu'ils sachent faire la part des choses aussi, parce que t'en as. Ils cherchent pas. Hein. C'est le département et tous les gars du département, même pas nous, on est basta. On est plus de balles perdues. Tu dis que c'est pas pour toi. Oui, oui. Surtout ça, c'est que c'est pas pour toi. Tu dis, d'accord. Je ne vais pas marcher sur le pied, c'est bon, arrêtez, j'ai dit, je prends des claques, c'est pas pour ça. Et maintenant, comme il parle là, je dirais que je marche sur le petit peu en prison, et puis d'accord. Comme il appelle, je dis, bon, on peut refaire les tests. Ah oui, j'ai pas le temps pour ça. Je vais appeler, comment ça s'appelle encore, Olivier? Moi, je vais appeler Olivier quand je reviens,
pas le temps pour ça. Il raccroche. Là, bon, je crois que je suis d'accord. Je suis un peu sans le garde, moi, quand on rate par le feu, j'avoue. Ouais, mais il peste des heures. Putain. À un certain moment, je sais plus quoi, il y a un peu de temps. Ouais, j'ai des secondes. Mais moi, généralement, là, ça m'a rapproché. Parce que j'étais au US avant. Là, ça m'a rapproché de lui, j'ai rappelé tout de suite. Genre, on a été coupé. Oui, ah, ça, oui, on a été coupé. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais voulu dire. Donc, bonne journée. Au revoir. C'est juste pour faire chier. Ouais, mais j'ai failli le faire, mais je... Après, le bruit, c'est d'alimenter... Ouais, c'est ça, ça peut... C'est pas d'alimenter une polémique, c'est juste que... Non, oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est juste après... Le mec, il va gueuler partout. Ah oh, ouais, vous savez ce qu'ils ont fait, machin... Pourquoi ils m'ont rappelé alors que je les ai raccrochonnés? Alors que là, vous êtes plus en tant que... Enfin, là, c'est plus sympa, hein, on va dire. Mais pas ici. Pas ici. Ouais, c'est franchement... Là, t'es... Pour un help, t'es c'est... dans un cocon, parce que c'est... Si il y a moins de problèmes, t'as pris un même qui est quand même assez compréhensif, c'est un gars de la DC, mais qui est assez proche. Il y a franchement David. Tu vas prendre un petit peu ta vie. Et toi, non. T'as dit... Non. Non, mais là, dans l'ensemble. Hein, dans l'ensemble. Ici, le Nera. Le Nera. Ah oui, ouais. Mais parce que tu es dans le privé et que t'es... technicien proxy VIP ou technicien MS VIP, là c'est autre chose. Ouais, VIP. VIP, c'est-à-dire. Tu t'occupes des ouais. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, vient ton, qui peut venir dans ton bureau et toi t'es avec ton costume cravate et il te dit j'ai un problème, et il gueule sur toi, tu baisses la tête, tu dis oui, et tu souhaites pendant que tu résous l'incident. Le problème à l'instant T. Moi je me fais. Moi je me comme ça, je fais. Non mais c'est un poste, hein, c'est pas genre, c'est, poste, c'est, oui. C'est ton rôle de faire c'est, ça. C'est nommé. C'est pas poste. Genre... Ah oui mais je refuserais ce poste. Oui, oui voilà, mais je veux dire, voilà, il y a des postes qui sont comme ça, t'as des postes... Tout le monde a des postes, mais même c'est comme un VIP. Ouais mais encore c'est bien parce que tu taffes, etc. Moi, dans mon ancien poste, on m'a mis dans un rôle où voilà, je faisais comme ça. Ça marche. On m'avait mis tellement bas, tu vois. Je comprends ton intermédiaire. Non mais. J'étais vraiment au bord de la dépression. Donc maintenant ça va bien. Tu me cherches. Ouais, tu peux. C'est. Mais ouais, là, c'est vrai que. Et là, j'ai vraiment mon cerveau. Encore une fois. Je t'expliquerai comment t'as dit oui, pour qu'on soit alerté, parce que là tu me le dis. Non, mais moi je le dis, mais c'est. De toute façon, c'est tout nous, ça. Votre nom, s'il vous plaît. Ah, Palaisou, tout petit de Palaisou. Ah, oui. Moi je le dis, c'est pas comme officiel, c'est juste un petit peu cas, mais. Je veux dire, je vous barre pas en disant. Bah, c'est l'info. Il t'a copié une adresse, il fait pas de ça. Non, mais j'aurais appelé quelqu'un, j'aurais appelé. Non, mais après Bertrand, il a dit ok, pas de com, rien. Dès qu'il y a le moins de problèmes, KO, je suis là-haut. Il a dit et si jamais. Non, mais c'est la consigne, hein, on la sent en consigne. D'accord. Et si jamais il y a. Si jamais il y a une urgence, et si jamais il y a une urgence, je dis c'est va, vient tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence? Zéro réponse. Il y a du coup Je vais bientôt devoir raccrocher de toute façon. Si je dis à Benoît, il va s'exprimer. En gros, c'est la prise de réserve. Voilà. C'est pas moi qui ai fait ça. Non, je vais pas faire les hommes.
ça entre les mains des personnes qui sont habilitées. Ah oui, mais c'est parce que le risque de ça, c'est que t'as pas vu. C'est pas moi qui te bon. Bah. C'est ça se tourne après autour du bruit. Attends, c'est pas. Bah, tu fais. Bah, quoi? Pardon? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Il est bien branché, là, vous? Je paye les infos. Tu regardes, il y a deux prises normalement. Vous avez essayé d'interpréter la prise ou pas?